as Big Ben's chimes ring out around us, signaling a year that's new. Raise a glass, turn up the volume, and welcome 2022. And as we share this midnight moment and imagine all that's still to come, let's relish the magnificent things we achieved in 2021. We rallied round our NHS heroes as they rolled out the vaccination, and we stood beside our three lions, heads raised and proud, united together as a nation. We won 124 Paralympic medals, one of the greatest hauls we've ever seen, and our star, Emma Raducanu, won the US Open. She's only 18. We saw the return of live events and reclaimed companionship and camaraderie. Tom Daley brought home gold and still found time to knit a cardi. COP26 convened in Glasgow, aspiring to build a world that heals. And Marcus Rashford and his fans gave out 21 million free school meals. This progress punctuates the air tonight, but when all is said and done, this world must keep on turning. So we say goodbye to 21, and within this magic midnight moment, there's only one thing left to do. So come on, let's light the night sky up and journey together into 2022. Baby, I'm still free. Take a chance on me.
après 2021, c'est 2022. Studio Rago ce soir. On vous souhaite tous bonne année, bonne année, bonne année. Voilà, voilà, voilà. Nous avons suivi. Déjà, vous avez vu que nous sommes déjà à 2022. Rago TV vous souhaite tous bonne fête de nouvel an. J'espère que vous allez tous vous plaire. Ce soir, nous sommes tous un peu dehors. Là, chacun en responsable, tous les responsables et tous ceux qui veulent rester à la maison ont voulu bien rester pour pouvoir passer le nouvel an. Donc, le crossover, comme on le dit en anglais, se passe dans la famille. Donc, moi, j'ai préféré le passer avec vous devant cet écran. En tout cas, Raphaël Gomatsasa, avec toute l'équipe de Rango TV, je vous dis un grand bonne fête, plutôt une bonne fête et une bonne soirée de nouvel an. Fêtez bien parce que ce soir, c'est vraiment la fête. Ici à Manchester, nous sommes un peu éparpillés. Il y en a qui iront à Chitsamil chez Vivien Bonjeka. Il y en a qui seront chez Cyril Modogo, c'est-à-dire Caribou, avec Mama Lisa Ponga. Et il y en a qui vont aller dans la soirée chez nos amis, notre ami plutôt, Nathalie Bembo, Bafana Love, qui organise une soirée ce soir avec vraiment la soirée pour dire la fin de lockdown qui n'a pas su être présentée, qui n'a pas su être organisée avant. Aujourd'hui, elle le fait, en tout cas avec une équipe qui vous est concoctée. Je crois que vous passerez de bonnes soirées là-bas, soit chez Caribou, soit chez Nathalie, soit chez Vivien Bonjeka, et aussi nos amis les Camerounais qui organisent quelque chose à Bantou. Et donc, départagez-vous parce que nous n'avons pas vraiment des grandes places, donc départagez-vous pour éviter un peu, n'oubliez pas la distanciation s'il vous plaît. Coronavirus, cette année a été marquée par coronavirus, nous avons tous, nous sommes passés à deux jabs à la troisième. Donc nous sommes partis du deuxième, de deux jabs, de vaccins bien sûr, au troisième vaccin plutôt. Donc ce soir, en tout cas, chers amis de Manchester, veuillez vous plaire, veuillez vous faire plaisir à votre façon. Toute la famille et vraiment ma famille à moi, malgré le deuil qui nous a surpris, j'ai tenu quand même à vous dire bonne année, bonne année, bonne année. Le bon Dieu a voulu prendre l'âme ou alors le souffle de certaines personnes, mais nous avons eu la chance de rester en vie. En tout cas, que toutes les personnes qui sont mortes, que le bon Dieu leur préserve, en tout cas, une bonne place pour leur vie. Je dirais un grand bonjour à mes amis et les proches. Je pense à Blaise Simbumonta, Antoine Njeka, Maman Simba Mosei, Nzuzi Mosei. Il y a aussi Samim Benza, S. Benza, Domi Kinsala et Mama Bébé Ndongo. En tout cas, je vous salue. Cyril Modogo, le président de la communauté congolaise, un grand bonjour à toi. Guy Bochard Moulongo, bonsoir, bonsoir à vous. Un grand bonjour, un grand, grand bonjour à vous tous. Je pense aussi à Mark Mackenzie, notre ami Makela. En tout cas, un grand bonjour à toi. Firmin Bondo à Chitamil. Il y a aussi Vivien Bondjeka, le grand Mwalim ou le vieux Mangasa qui passe de beau temps, de beaux moments à Kinshasa. Un grand bonjour à toi. Santa Sarajevo que je ne peux pas oublier. Le vieux Mandibou à Eccles, mon ami René aussi à Eccles. Grand bonjour à tout le monde. Edo Dombassi, le grand coiffeur, un grand bonjour à toi. Notre ami, le James Cameron congolais, Coco Joko, que je ne peux pas oublier, que je salue vraiment avec, voilà, une gestation tout à fait spéciale. Et il y a aussi maman Karine avec les enfants Coca. Je vous salue et je vous remercie d'être là en train de me suivre. Merci, merci, merci. C'est pas en direct, bien sûr, mais en tout cas, je vous passerai ça en différé parce que nous avions voulu avoir de belles images. Vraiment, je n'oublierai pas de dire un bonjour à tous les amis de Londres aussi. Il y a JP qui est à Manchester, Louise Tsungatsunga et son ami joli garçon. Un grand bonjour à vous. Toutes les filles de Manchester, les grandes dames de Manchester, je vous salue. Et aussi, je pense à
Papi Kiba et Madame Kiba, bonjour, bonjour à vous tous, à vous deux. Voilà, je pense aussi à notre amie Sylvie, Sylvie Malongi, maman Sylvie Malongi, Champagne, Virginie, Sylvie la Grande, parce qu'il y a Sylvie Amoukoussé et puis Sylvie Amoulaï, maman Romine Coco et puis Bob Boto à Bolton. Edo Yalamon à Bolton, Patrick et Fanny, je salue tout le monde. Cosbin Ungudi, en tout cas, un grand bonjour à toi. Yannick Moulonda, je pense aussi à toi. John Kaloubi, Capo, Capo, Capo Bianco. Roger Mongo, Malala, puisque je ne peux pas oublier. Roger Malala Mankaka. Et notre ami, c'est le taximan de Manchester. Et voilà, je n'ai pas oublié des gens, mais je n'ai pas le temps de donner, de dire bonjour à tout le monde. Voilà, il vaut bien penser à vous abonner quand vous voyez ce visage ou alors quand vous voyez le signal de Rango TV. Veuillez bien vous abonner et ce sera une bonne chose pour nous. Merci beaucoup Raphaël Gomatsasa pour Rango TV ce soir. J'ai voulu souhaiter à toute ma famille à Kinshasa, je pense à mes enfants, Alda Goma Panzu, je pense à Patricia Goma et Angie Goma aussi. Rafi Ngoma, que je salue. Toute la famille Ngoma de Kinshasa, Mertes Ngoma, je pense à Edmond Serif Tsassa Ngoma, Gauthier Touba Ngoma, il y a tous les neveux et nièces aussi, mes sœurs Nene Ngoma, je crois que toute la famille est plongée dans le deuil, mais en tout cas, moi je pense à ça, je reconnais bien que nous sommes en deuil, mais en tout cas, je dois... pour le compte de la chaîne que je suis en train de lancer, je dois absolument dire bonjour aux amis et à la famille. Henriette Panzou, ma grande sœur, il y a Cécile Ngoma aussi, un grand bonjour. Et je ne peux pas oublier Maman Georgine Sita avec mes neveux et nièces de Birmingham, c'est Coco Sita, à Paris, c'est Dina Sita, Nino Malunda, et je pense à tout le monde. Vraiment, je pense aussi à Mireille, à Paris, Maman Charlotte Mbambi, Mireille Mbambi, Papi Mbambi, Franck Mbambi, tous les Mbambi, Coco Mbambi, en tout cas, je dis à tous les neveux, Lorraine Mbambi à Kinshasa, je pense encore à Pichu Mbambi en Angola, il y a Robert Mbambi, en Angola aussi. Il y a le grand frère Touba, Jean-Paul Touba, en Angola aussi. Et toute la famille, je n'ai pas oublié personne, je n'ai oublié personne, mais en tout cas, je dis un grand bonjour à tout le monde. Merci, merci, au revoir. Et à tous les amis de Mathias, si je ne vous ai pas cité, sachez que je ne vous ai pas oublié. Pourquoi ne pas citer Jean-Marie Mousseil à Bradford? Et il y a aussi notre ami de Didou à Bradford. Un bonjour, bonjour à toi. Freddy à Bradford, un grand bonjour à toi. Tous les amis de Bradford, si j'ai oublié quelqu'un, veuillez m'en excuser, je ne saurais pas vraiment citer tout le monde. Rango TV vous demande seulement de vous abonner et vraiment ce sera une bonne chose pour nous. Merci, merci, au revoir et on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye. Woo!